Tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour cette nouvelle review. Ouais, il y avait des restes du premier de l'an. Oh, quelle voix de merde. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça y est, ça revient. Yes, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. Ah, il y a encore un reste là. Ouais, on s'était fait plaisir avec un peu d'hélium pour le premier de l'an, pour s'éclater. Et franchement, c'était bien rigolo. Je vous mets pas les images parce que vous allez vous foutre de nous, mais c'était bien sympa. Allez, terminé de rigoler. Donc une très très bonne année à tout le monde. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite d'avoir du boulot, je vous souhaite d'être heureux en amour. Bref, je vous souhaite tout le bonheur du monde, entre guillemets, mais bon, la chanson a déjà été écrite. Donc, c'est parti aujourd'hui. Il fait encore un temps pourri, donc il y a du vent, il tombe des cordes, donc on va pas aller se foutre à l'extérieur. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu d'homme à homme, là, en tête à tête. Parce que j'ai reçu quelques produits. J'ai pas reçu le produit principal, je l'attends, celui-là. Il commence par un X et il finit par un I. Mais c'est tout ce que je vous dirai pour l'instant. Mais vraiment, j'ai hâte. Mais de toute façon, il faudrait qu'il fasse beau pour celui-là. Ce sera bien plus sympathique. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la JLB J3 Speed. Donc je vais vous parler. L'unboxing, puisque je viens de la recevoir, je l'ai testé vite fait sur mon parking, mais ceux qui me suivent sur Facebook savent que le parking est trop petit pour celle-là, bien trop petit, il faut de la place, et je vais vous parler aussi du petit Bugs 3 Mini qui est là, aux couleurs de Taskiller bien sûr, parce qu'il y a des choses à dire sur ce Bugs 3 Mini, même si j'ai pas encore toutes les images, là vous avez... des petits morceaux qui passent là, et dans la dernière vidéo, je vous avais montré quelques images aussi, il y a des choses à dire là-dessus. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça, et je vous parle de la JLB juste après. En ce qui concerne le Bugs 3 Mini, il y a du gros pour, bien sûr, parce que ça reste un engin MJX, donc super qualité de produit, super résistant, le châssis, la conception, c'est vraiment le top, on connaît le Bugs 3, il y en a encore beaucoup qui l'ont sur les étagères et qui s'en servent régulièrement. Donc le Bugs 3 Mini est vraiment dans la même lignée, c'est-à-dire que c'est une super cam, je vous dis très très bonne qualité de châssis, bonne qualité de composants, mais il y a du pour et du contre. Alors, pour commencer par les contre, je vais tout de suite vous parler du mode accro, puisque c'est ce qui intéresse tout le monde, je pense. Donc le mode accro, bah écoutez, oui, c'est un mode accro, parce que on est un peu plus libre, on peut faire des loopings, on peut faire des rolls, et puis on a à peu près cette sensibilité d'accro, mais on est loin, mais vraiment à des kilomètres d'atteindre un accro de base qu'on connaît, ceux qui ont l'habitude de voler en accro, avec n'importe quel type d'engin, comme le KNK, le King Kong ET-125, bon là j'ai pas encore remonté les protections d'hélice parce que j'ai envie de le faire voler comme ça, j'attends qu'il fasse beau pour voir la pêche qu'il a sans les protections d'hélice. Bref, on est très très loin d'obtenir l'accro d'un simulateur ou d'un appareil racer de base. Donc bravo à MJX pour essayer de nous sortir ça, un engin qui a un mode accro. D'ailleurs, si tout va bien, je vous en présenterai un autre, le Bugs 8 Pro, qui va sortir très bientôt aussi, qui n'est pas en vente, ne le cherchez pas, vous le trouverez pas. Vous verrez quelques vidéos chez les anglo-saxons. Là, c'est pareil. C'est apparemment le même principe d'accro. Donc on a plus de liberté de mouvement, on peut faire quelques figures en mode accro, mais on est loin d'avoir cette sensibilité et cette sensation d'accro. Pour des gens qui n'ont jamais volé en accro, ça va leur permettre d'avoir un petit aperçu de ce que peut donner un drone qui est beaucoup moins stabilisé. Déjà, vous saurez qu'en accro, en vitesse 1, parce qu'on n'a pas fait encore le détail, mais sur cette radiocommande, vous avez deux vitesses, low et height, donc 1 et 2. Et donc, vous saurez qu'en accro, alors déjà, je ne vais pas vous faire tout l'article sur le MJX Bugs, puisque je referai une vidéo, bien sûr, complète dessus. Mais vous avez un mode stabilisé en démarrant le drone, puis la radio en mode 1. Et vous avez un mode accro en démarrant le drone et la radio, tac, en mode 2 ici. Vous ne pouvez pas switcher du mode accro au mode accro, même si ça c'est plus à la mode. Vous pouvez pas switcher du mode accro au mode stabilisé pendant que vous volez. Ça c'est une grosse erreur de la part de chez MJX. Je crois qu'ils ont résolu le problème sur le Bugs 8 Pro qui va sortir, mais sur celui-ci on ne peut pas. Donc pour ceux qui veulent s'initier au mode accro, vous ne pourrez pas repasser en vitesse en mode stabilisé.
Donc pour en revenir au mode accro, je pense qu'il y a un problème de sensibilité de manette pour le mode accro ou de configuration de l'engin en lui-même. Parce que le mode accro, je vous ai dit, n'est pas un réel mode accro. Si vous êtes en vitesse 1, déjà, vous ne pourrez pas ou pratiquement pas faire de figure. Si vous faites un roll, par exemple, en accélération, ça va vous faire un roll d'environ 10 mètres de diamètre. Donc, il vous faut de l'espace, mais vous ne pourrez pas faire de figure rapide. Si vous êtes en vitesse 2, vous allez pouvoir faire des rolls, des flips, mais vous verrez que la sensibilité n'est pas du tout la même, la récupération n'est pas du tout la même non plus. Bref, c'est difficile à expliquer comme ça. Vous avez quelques images qui tournent derrière, vous verrez peut-être ce que je veux dire, vous comprendrez peut-être. Mais en l'occurrence, ceux qui ont l'habitude de voler en FPV, en mode accro, ne prenez pas ce petit bugs pour ça. Parce que vous allez être déçu et vous volerez pratiquement pas en accro avec. J'ai envie de dire... Il est bien. Alors par contre, oui, au niveau mode stabilisé, c'est une tuerie, comme d'habitude, comme le Bugs 3, comme le Bugs 2, comme tous les bugs qui sont sortis jusqu'à maintenant de chez MJX. On a une maniabilité en mode stabilisé, en vol à vue, qui est absolument gigantesque. C'est vraiment le top. C'est un bébé d'enfer. Je le conseille à tout le monde sur les étagères pour les petits vols rapides comme ça, pour s'éclater. Le mode flip et roll fonctionne super bien. Il est très nerveux. Vous pouvez même avec celui-ci, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le Bugs 3. Rappelez-vous, je vous avais appris à faire des flips en manuel, des flips et des rolls en manuel. Vous savez, en mettant la puissance, une direction, et en coupant les gaz et en mettant la direction opposée, on pouvait faire des rolls ou des flips en l'air. Là, on peut en faire jusqu'à deux d'affilée. Et ça fonctionne super bien, le gyro récupère tout de suite. Avec le Bugs 3, on pouvait le faire, mais juste derrière, l'engin partait un peu dans tous les sens, et j'avais même eu un gros crash suite à ça. Donc là, ils ont réglé le problème. Au niveau mode stabilisé, c'est une tuerie. Je lui mets un 20 sur 20, parce qu'il a toujours cette télémétrie. Donc il vous prévient si vous êtes limite hors de portée, il vous prévient si la batterie est fatiguée. Même si vous volez en immersion, il est génial à utiliser en immersion, c'est-à-dire en FPV, en stabilisé. Il est excellent, ceux qui veulent s'initier au mode FPV, bien sûr, il faut attendre qu'il y ait le mode qui sort la version avec la caméra. Moi, j'en ai installé une, c'est pas compliqué du tout, je vous expliquerai comment faire quand on développera sur l'engin. Donc en attendant... En mode stabilisé, c'est une tuerie ce drone. Franchement, je le conseille à tout le monde. Moi, je ne le revendrai pas, il restera sur mon étagère à côté du Bugs 2W là. Il a sa place et il restera là parce que pour moi, c'est un top. Donc, bravo MJX pour avoir essayé de nous donner un mode accro. Et encore une fois, je vais le répéter, ce mode accro, il est bien pour ceux qui veulent s'entraîner en vol à vue. J'ai envie de dire, parce qu'en immersion, ça va vous donner des mauvaises impressions et c'est presque désagréable. Par contre, en vol à vue, pour ceux qui veulent essayer de faire des petites figures, des petits rolls, des petits flips, etc. En mode accro, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Déjà, il est super résistant, faites pas ça sur du béton dans un premier temps, restez sur de l'herbe. Mais ça peut donner une idée, si vous voulez, de comment faire un roll, la récupération du drone, etc. en vol à vue. Voilà, le mode accro... Oubliez-le si vous êtes un FPViste, si vous avez l'habitude, parce que alors là, vous allez vraiment être déçu, vous allez le vomir ce mode. Franchement, moi, j'ai pas pris de plaisir. Ouais, c'est marrant au départ, on a une sensation d'accro, mais très très vite on perd le contrôle parce que l'appareil ne réagit pas comme il devrait. Soit il y a une espèce de latence sur la récupération, bref, c'est pas assez sensible pour moi. Vous devez encore travailler chez MJX. Par contre, voilà, je le mets... en haut de l'échelle, en matière de vol stabilisé, en matière de petits joujoux bien sympas. Une autre petite déception encore, c'est la batterie. Alors, c'est une batterie propriétaire. Bon, ça, c'est pas trop gênant, parce qu'on sait que généralement, c'est de la bonne qualité. Hop, la batterie va venir se clipser tout simplement comme ça, avec un petit clip sur l'arrière, hop, qu'il faut tirer pour en retirer. Mais elle a un autre petit problème, cette batterie. Donc c'est livré avec un chargeur tout simplement USB, avec ce petit adaptateur là, qu'il va falloir glisser sur la batterie, ici pour connecter, et vous allez brancher votre USB ici là, sur la prise de balance, et dans un USB. Je l'ai fait la première fois, à la sortie j'ai testé, j'avais une cellule qui était beaucoup plus haute que l'autre. J'ai une cellule qui n'avait pas atteint les 4,2 et une qui était à 4,3, 4,4. Donc, mauvais équilibrage. Donc, j'ai fabriqué cette petite prise de balance
ici. Tout le monde n'est pas capable de le faire, je le sais, donc c'est pour ça que je vous préviens aussi. Il va falloir trouver une rallonge de prise de balance ici pour pouvoir l'adapter tout simplement ici et pouvoir le recharger sur un chargeur de base comme le Charson par exemple qui est là, qui n'a pas besoin d'avoir la deuxième prise, la prise de base. Comme un chargeur ISDT par exemple ou un IMAX B6. Donc j'ai fabriqué cette petite rallonge pour pouvoir le recharger sur un bon chargeur, parce qu'à mon avis le chargeur qui est vendu avec la petite USB ne vous recharge pas la batterie comme il faut. Voilà, ça n'équilibre pas forcément les cellules comme il faut. Donc ça n'empêche pas de pouvoir le faire voler, d'avoir une bonne autonomie, mais j'ai peur qu'à l'utilisation la batterie dure moins longtemps que prévu. Donc voilà, pour ce petit bugs, je vous dis encore une fois, c'est pareil, j'ai pas testé sur plusieurs chargements. Maintenant que j'ai bien équilibré les cellules, peut-être qu'avec le chargeur USB, ça va se faire comme il faut. Bref, c'est un défaut que j'ai trouvé, je vous en parle, vous me connaissez. Maintenant, je ne vais pas dénigrer cet engin parce que je vous ai dit, pour moi, il est largement au-dessus des autres au niveau vol stabilité, vol stabilisé, résistance et joie, plaisir du pilotage. La radio est géniale, elle répond super bien. Déjà qu'on avait une bonne portée, là, avec les deux antennes patch, c'est que du bonheur. Donc, voilà, le top, je le mets sur un piédestal. Par contre, vous saurez que le mode accro... pas pour les FPVistes, en tout cas. Pour se faire la main, oui. Pour avoir une idée de l'accro, oui. Mais pour les FPVistes, non. Ne vous fatiguez pas à acheter la caméra qui va y aller bien, etc. etc. parce qu'au final, vous serez déçu, sauf si vous volez en mode stabilisé. Et alors là, vous allez prendre du plaisir. Donc voilà, on ferme la parenthèse pour le MJX Bugs et on va passer à la JLB J3 Speed. Allez, à ta place. Pas bouger. Donc la voilà, cette fameuse JLB J3 Speed, un beau bébé, un bel engin qui envoie méchamment du pâté. Je vous dis, moi, sur mon parking, c'est un peu léger. Cette JLB J3 Speed, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la JLB Cheetah, mais améliorée sur quelques points, que ce soit des points de carrosserie. On va avoir des jantes beaucoup mieux finies. Par exemple, on va avoir un intérieur plastique bleu ici pour tout ce qui est articulation et direction. On aura toujours cette fameuse Willy Bar sur l'arrière, la barre pour pas se retourner avec les petites roulettes, qui reste aussi fragile pour les sauts. Hein, vous le savez, cette voiture n'est pas forcément faite pour les sauts à la base, surtout quand elle est équipée avec son aileron et sa Willy Bar. Donc ça, chose à retirer quand vous voulez faire des cascades. On a une autre amélioration, c'est les phares. Les phares, vous allez pouvoir régler différents éclairages, soit l'avant, soit l'arrière, soit les deux, soit du clignotement. C'est assez sympa et il marche bien. Donc c'est un petit plus assez rigolo, donc ça je vais vous en parler. Sinon, c'est une copie conforme, il n'y a que les couleurs qui ont changé. Les carrosseries sont exactement les mêmes, sauf au niveau du design, au niveau de la peinture. Sinon c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que celle-ci par contre est un peu plus raide que celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le revêtement intérieur qui fait ça. Elle est un petit peu plus dure que celle-ci, mais ça reste à peu près la même chose. On a une différence également sur les pneus. Là, on a des pneus avec des crampons beaucoup moins espacés, font plus penser à des pneus routiers, parce que cette voiture est vraiment faite pour la vitesse, pour la puissance. Par contre, des pneus très souples et qui accrochent énormément par rapport à ceux-là. Donc déjà, on avait une bonne accroche, mais alors là, on a quelque chose qui est vraiment violent. Dès qu'on met la puissance, vous allez voir, c'est vraiment des donuts, des beignets. Donc, à voir comment ça se passe avec la vitesse. Vous savez que les donuts aussi, quand les roues se déforment, ça peut aussi entraîner un peu la voiture. Il faut surtout que ce soit les roues arrière qui partent plus en donuts, plus que les roues avant, parce que ça a tendance à faire chasser un peu la voiture. Et si vous montez à 95 ou 100 km/h, parce que oui, c'est la vitesse qu'elle peut atteindre, en 3S simplement, dites-vous bien qu'il faut de la place, qu'il faut une bonne maniabilité et il faut savoir où on va tout simplement. Parce que si vous prenez un choc à 100 km/h, dites-vous bien qu'à la beau être une bonne conception, il ne va pas en rester grand-chose. Donc je vais vous l'ouvrir, on va voir tout de suite un petit peu les différences. Donc hop, toujours le système de petits riselants bien sûr. Tac, hop. Donc je ne vais pas ouvrir celle-ci, c'est pas la peine, on parle surtout... Hop, c'était pour vous montrer que c'était exactement la même taille, le même châssis.
Même taille de pneus également. Et alors là, eh ben, on voit qu'on a vraiment un bel équipement. Alors, waterproof, soi-disant, mais encore une fois, du waterproof, ça ne veut pas dire qu'on va aller l'immerger avec de l'eau qui remonte jusque là. Hein. Le waterproof veut bien dire que, moi j'appelle ça plus du splash-proof que du waterproof. Ça veut dire que vous pouvez rouler sous l'eau, vous pouvez rouler dans des flaques d'eau, être aspergé, etc., des éclaboussures. Mais encore une fois, n'allez pas immerger la voiture dans l'eau. Waterproof, ça ne veut pas dire que c'est un sous-marin. Hein. N'allez pas faire l'erreur. Donc super belle conception. Donc par contre je vais parler tout de suite de ce qui me déçoit, et ça je vous en avais parlé déjà, j'attendais de l'avoir reçu pour savoir, c'est au niveau ici des fixations des triangles. Là, juste à la jointure. Donc on a encore le même principe d'axe ici qui n'est pas vissé, qui est passé simplement dans le triangle avec ces deux pièces en aluminium. Donc résistant, certes, il n'y a pas de souci. Par contre, le défaut que j'avais eu sur la JLB Cheetah, c'est que avec la vitesse, la puissance, il arrive que ces axes ressortent un petit peu d'ici, malgré la vis avec la rondelle. Alors là, apparemment, il y a une rondelle un petit peu plus large qui peut-être permettra d'empêcher à cet axe de sortir. Parce que quand cet axe commence à sortir, il suffit qu'il ne soit plus crocheté de l'arrière, et là vous avez une fragilité qui se fait au niveau du triangle, et au moindre choc, vous allez hop, arracher carrément la pièce en aluminium. Donc on voit qu'on a une super belle finition, ça reste en plastique, bien sûr, mais par contre on a une finition dans cette espèce de couleur chrome doré. Pareil pour les jantes ici, qui vont rattraper un petit peu l'aluminium, la couleur alu, qui est juste derrière pour les pièces métalliques. On a de très très bons amortisseurs à bain d'huile. Donc là, pas déçu pour la conception. Ces triangles bleus, écoutez, pourquoi, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça change un peu. C'est la même conception que sur la Cheetah. Donc ça devrait être résistant, parce que moi, mis à part ce problème d'axe sur le triangle, j'ai eu aucun souci avec la Cheetah à ce niveau-là. Elle est puissante, elle est costaud, elle est maniable, elle est presque même trop puissante. Donc n'allez pas vouloir faire les mêmes choses avec une JLB J3 Speed ou Cheetah que ce que vous allez faire avec de l'Optimus, du Maximus ou du Zombie par exemple, qui eux sont plus faits pour le saut à la base et pour le off-road. Donc là on va pouvoir taper du off-road, mais pour moi ces véhicules sont beaucoup plus faits pour du circuit que pour du off-road et du saut, même si on en fera bien évidemment. En retirant la petite roulette pour éviter de la casser, parce que ça je l'ai cassé deux ou trois fois sur la JLB Cheetah. J'ai dû faire des réparations à chaque fois à ce niveau là j'ai réussi à réparer encore sans changer, mais vous dites-vous bien que vous aurez forcément, si vous faites des sauts, il y a forcément un moment donné où vous allez tomber sur l'arrière et que vous allez tout péter. Donc au niveau matos là-dedans, écoutez, on a un très très bon petit moteur, donc c'est du JLB. Belle finition, JLB Racing, 3670 en 3200 kV, donc un bon petit moteur qui envoie bien. Il va supporter, donc il est livré en 3S avec une 4000 mAh, la même batterie hop, que pour la Cheetah. Je vous dis, c'est exactement la même chose. La grosse différence qu'il va y avoir, c'est les finitions. Déjà, l'aileron est légèrement différent aussi, même si ça reste le même principe vissé ici. Sinon, c'est exactement le même montage. On a des supports de suspension en aluminium. On a une bonne finition générale. On a un petit renfort ici en aluminium central. Hop, pour le dessous, même conception, encore une fois, que la JLB Cheetah. On a une plaque aluminium au centre, avec un châssis plastique nylon pour maintenir... Hop, tous les composants. On va avoir un ESC cette fois-ci 120 A, donc il est bien écrit waterproof sur l'ESC. Encore une fois, n'allez pas l'immerger, bien sûr, vous le savez. Grosse différence aussi, c'est qu'on va avoir tous les axes de transmission, tous les roulements vont être métalliques cette fois-ci. On n'a plus de grosses roues dentelées en plastique, tout est métallique, que ce soit l'axe principal, on le voit ici sur la boîte, ou même les satellites ici dans la transmission. Donc tout va être métallique, donc on a bien plus de résistance. Pareil, une fois que dans la notice, ah oui, ça je vous le dis aussi, dans la notice c'est super bien expliqué, vous avez vraiment chaque partie intéressante, genre les amortisseurs, comment ils se démontent pour pouvoir les remplir par exemple, la transmission. Vous avez aussi un éclaté par rapport à l'ESC, vous avez un éclaté, toutes les parties principales que vous allez pouvoir démonter en cas de panne ou d'usure ou de casse sont bien expliquées dans la notice. Ça, j'ai trouvé ça très sympa.
Donc ESC 120 A, donc bonne puissance, je pense qu'en 4S on va passer, même si je suis pas sûr qu'on gagne énormément en 4S par rapport à la 3S, on essaiera ça bien sûr. On a un cerveau ici qui développe 21 kg, donc aucun souci au niveau des gros pneus pour la transmission. Bonne transmission sur JLB, personnellement j'ai jamais été enquiquiné avec ça. Le petit récepteur ici, 3 canaux, donc on a le troisième canal qui va servir, donc le channel 1 qui va servir pour la direction, ça vous le verrez sur la radio, channel 2 qui sert pour le throttle, pour la puissance et le moteur, et le channel 3 qui va servir pour l'allumage, extinction des feux, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit engin, on a fait un petit tour vite fait. J'aime pas trop parler comme ça de choses que je ne connais pas, parce que je l'ai pas, j'ai pas encore eu ces réactions. Si, j'ai vu vite fait sur le parking qu'il était trop petit parce que je pouvais pas l'exploiter. Elle a tendance à partir très très vite. Au niveau des radios, voici la radio de la JLB Cheetah. Donc un petit peu plus petite, ici pour la prise en main, puis aucune couleur. Sur la JLB J3 Speed, donc on voit qu'on a un peu plus de couleurs, c'est un petit peu mieux fini. Et on a un petit cache sur le dessus. Là on avait 4 boutons, hop là, là on avait 4 boutons directement sur le dessus. Alors que là on a notre petit cache ici. Assez fragile ça, hein. Faites attention de ne pas trop tirer. Et on n'a plus 4 boutons mais 5, donc on peut inverser les canaux, le throttle ou la direction. Et vous avez différents réglages, vous avez un réglage de plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, la mise en route bien sûr. Et vous avez un réglage supplémentaire, je vous disais. Donc on a un réglage de freinage ici, sur le premier bouton. Ça va vous servir à avoir plus ou moins de force d'arrêt. Chose qui se règle normalement dans le SC. Mais là, vous avez justement ces boutons qui vous permettent de tout régler directement de la télécommande. Donc ce petit potard qui est là, le premier, va vous permettre de régler la dureté du freinage. Voilà, si vous le mettez à zéro quand vous allez lâcher l'accélérateur, pratiquement aucun freinage, aucun ralentissement, ça va être très très long, donc vous faites pas surprendre. Et si vous mettez à fond à droite, dès que vous allez lâcher l'accélérateur, on aura un frein moteur, et dès que vous allez pousser pour le freinage, ouf, on va s'arrêter beaucoup plus sèchement. Donc ça, petit plus qu'il n'y avait pas, on a bien sûr la puissance du throttle, donc vous allez pouvoir régler l'accélération complète. Je dis pas que vous allez pouvoir le baisser pour un enfant de 6 ans, hein. C'est pas du tout fait pour lui. Mais en fonction des circuits, vous allez pouvoir régler la vitesse maximale que vous allez vouloir atteindre. Ensuite on a un potard ici pour la direction, donc l'amplitude de la direction, donc toujours à fond pour du franchissement et des petits circuits où vous allez avoir un maximum d'amplitude dans les roues. Je peux vous la mettre en route hein, si vous voulez, vite fait. Tac, le petit interrupteur qui va bien, et voilà, on est connecté. Donc vous voyez ici, je suis au maximum de direction et on a une très bonne amplitude. Donc on sent que le cerveau force pas du tout avec ces gros pneus là, même sur de la moquette ça accroche bien. Et voyez, si je baisse l'amplitude ici de la direction, hop, je suis à fond et je tourne pratiquement plus. Donc ça, à utiliser pour les vitesses de pointe, quand vous voulez faire une course de dragster, utilisez ça au minimum ou un peu moins pour avoir beaucoup moins d'amplitude, et à haute vitesse vous êtes pratiquement sûr de moins cabaner que si vous avez une grosse amplitude. En dessous on a les deux trims, que ce soit pour le throttle ou la direction. Donc pour la direction, vous le savez, ça permet de récupérer le parallélisme. Si votre voiture, quand vous allez tout droit à une légère oblique droite, vous allez récupérer sur la gauche et vice versa. Et le throttle, lui, vous permet d'avoir une puissance, enfin d'avoir une avancée ou un recul. Alors si vous le mettez à zéro, forcément vous êtes à zéro comme là, donc vous avez l'accélérateur, le frein, et ensuite une deuxième fois en arrière pour reculer. Même principe. Si jamais je vais la soulever, alors attention quand vous manipulez, hein, parce que ça peut vous surprendre. Hein. Là, si je le tourne légèrement vers l'arrière, vers la gauche, vous allez voir, voilà, on a automatiquement une marche arrière. Donc je le remets à zéro. Et si je le pousse vers la droite, on va avoir, voyez, une avancée. Donc un ralenti beaucoup plus haut. Généralement, c'est cette position-là que j'utilise quand je veux faire des vitesses de pointe. Il y en a qui m'ont dit, oui, toi, ta voiture, elle va à 63 km/h, enfin, pas celle-ci, hein, mais une autre. Moi, la mienne, elle monte à 60 ou 59. Alors déjà, ça peut dépendre du GPS, parce que le GPS, il y a toujours un petit décalage. Mais vous saurez que quand je fais une vitesse de pointe maximale, je mets toujours mon throttle ici à fond pour avoir, et puis bien sûr, je suis obligé de maintenir le frein,
pour pas qu'elle avance, mais je maintiens le frein, je place ma voiture là où je veux, et dès que je lâche l'accélérateur, elle commence à prendre de la vitesse et elle accélère toute seule. Donc ensuite, dès que j'appuie à fond sur l'accélérateur, là j'obtiens la vitesse optimale, maximale qu'on va pouvoir atteindre avec ces engins-là. Mais c'est vraiment pour tester la vitesse de pointe, c'est pas pour piloter en circuit. Voilà, donc toutes ces petites fonctions sur la radio, donc bien complètes, bien sûr. On a même un bouton de bind ici, si un jour vous devez changer le récepteur ou le SC, etc., que vous ayez besoin de rebinder. On va pouvoir éteindre. Je vais vous montrer la déformation des pneus. C'est assez impressionnant. Donc bien maintenir le véhicule dans ces cas-là. C'est parti, allez go. Et freinage. Vous avez vu, c'est impressionnant. Moi, personnellement, j'étais sur le cul. Donc, faites attention quand vous manipulez des engins comme ça. Faites attention aussi là où vous en faites. Hein, n'allez pas, vous doutez bien que ça, à pleine vitesse, dans des jambes, ou que ce soit un animal ou une personne, ça peut faire super mal. Même vous, protégez-vous. Attention quand vous pilotez, à ne pas la faire venir à fond sur vous, parce que c'est quand même des engins qui pèsent un certain poids. Si vous prenez ça à 80 ou 90 km/h dans les pattes, je pense que vous allez casser une cheville ou plus si affinité. Donc, soyez prudent avec ces engins-là. C'est bien d'avoir des engins puissant, mais plus c'est puissant, plus il faut travailler en sécurité. Donc je vais éteindre tout ça. Donc bien sûr, hein, toujours commencer par la radio pour ensuite allumer la voiture. Pareil pour le premier allumage, mettez votre voiture légèrement en hauteur, au pire posez-la sur quelque chose de façon à ce que les roues soient dans le vide. Il suffirait que l'ESC ait été mal réglé, ou il suffirait que vous ayez sans le vouloir pousser le throttle sur la droite, ça veut dire que vous allez démarrer, la voiture va avoir une accélération. Ça peut surprendre, vous avez vu, c'est assez puissant. Donc mettez-la en hauteur, soulevez-la, n'hésitez pas quand vous la mettez en route. Et puis vérifiez avant de mettre en route votre télécommande, votre radiocommande, pardon, vérifiez d'avoir bien mis à zéro, surtout ces deux-là, puisque les autres ne feront pas avancer ou reculer la voiture. C'est surtout ces deux premiers-là. Donc celui-ci, c'est la direction, on s'en fout. Mais celui-ci, c'est le throttle, l'accélération. Donc faites bien attention de l'avoir mis bien à zéro au milieu, au départ, quand vous mettez tout ça en route. Donc voilà, que vous dire de plus? Si, je voulais vous parler aussi des phares. Oh, c'est fun ça, c'est rigolo. C'est un gadget, mais c'est fun. Tac, je mets en route. On a un autre petit bouton ici. Alors ça, c'est le channel 3, justement, le troisième canal. Donc regardez, je vais le déplacer une fois. Toc, je le pousse en avant, je reviens en arrière, j'allume les feux arrière, ici. Je repousse en avant, je reviens en arrière. Tac, j'allume les feux avant, qui éclairent plutôt bien. Regardez, puis bien réglé, hein, les deux phares sont exactement au même endroit. Oh, c'est bien violent. Donc je repousse une troisième fois, je reviens en arrière, cette fois-ci j'ai l'avant et l'arrière d'allumer. Et si je refais une quatrième fois, je me retrouve avec des feux clignotants. Voilà, vous êtes en warning, vous êtes en panne sur le bord de la route, mettez vos feux clignotants par exemple, et une dernière fois pour les éteindre. Tac. Ah, Raya, j'avais pas vu ça, je viens de le voir. Donc on a un clignotement, et ensuite le clignotement change. Vous voyez, on a une amplification qui se fait. Ça clignote un peu plus doucement et ça se remet à clignoter. Tac, donc ça c'est pour le quatrième mode. Vous faites encore une fois avant-arrière et vous éteignez tout. Donc c'est un petit gadget, c'est un petit plus, mais c'est fun, c'est rigolo, pourquoi pas. Moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, en ce qui concerne la JLB J3 Speed, c'est pas la revue sur cette voiture, c'était vraiment un déballage pour vous en parler un petit peu, vous la présenter. Pas mal de nouveaux produits qui vont arriver. On parlera bientôt des petits JJRC là, les frères jumeaux, les engins vendus par deux avec une télécommande. Pourquoi? Eh ben pourquoi? Bah parce que bah, comme ça vous avez besoin de recharger. Vous avez fait voler un, bah, vous faites voler l'autre. Si vous cassez un, bah, ça vous fait des pièces de rechange pour l'autre. Je sais pas, mais en tout cas voilà, une petite boîte vendue avec une télécommande et deux drones, bah pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis bah, pas mal de nouveautés à arriver, je vous en parle pas tout de suite parce que je veux garder la surprise quand même. Merci à vous tous, je vais envoyer les trois colis hein. Là, en ce qui concerne le 518 Tracker, le X4 Pro Desire et le JJ Pro qui est déjà dans sa boîte, j'ai déjà les deux coordonnées, il me manque plus que le troisième et je fais l'envoi des trois. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, soyez patients.
Non mais oh. Merci beaucoup pour tous vos messages. J'ai pas répondu à chaque message, bien sûr, de bonne année, etc. Parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Dites-vous bien par contre que je les ai tous lus. Généralement, j'ai mis un petit j'aime ou un petit cœur. Ça veut dire que je l'ai lu. Si je vous ai zappé, pardon, j'ai pas fait exprès, mais je ne pense pas. Et j'avais mis un message global pour tout le monde, souhaiter la bonne année sur mon Facebook. Donc, encore une très bonne année à vous tous. Profitez-en. La vie est courte, donc profitez-en, amusez-vous. Et profitez de ceux qui vous entourent au maximum. Donc, moi là-dessus, on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour la petite revue. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, amusez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Quelle voix de merde.